Mesdames et messieurs, bonsoir. Le marathon des élections législatives égyptiennes commence. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Hanifa, l'animateur qui va vous accompagner durant les prochaines presque 60 minutes qui sont l'âge de cette nouvelle édition de votre émission semi-quotidienne directe, votre fenêtre sur les grands événements qui touchent la scène égyptienne. Comme je viens de vous annoncer il y a quelques instants, le marathon des élections législatives égyptiennes, c'est presque la grande ligne de cette édition, édition tout à fait presque spéciale à la couverture de ces élections législatives. Je dois vous rappeler que aujourd'hui, on trouve que les bureaux, depuis hier, le bureau de vote ont ouvert en Égypte pour ces élections législatives qui s'étaleront sur plusieurs semaines. Le premier tour s'est achevé ce dimanche, mais un second tour est prévu les 7 et 8 novembre. Les résultats ne devraient pas être connus avant début décembre. Le scrutin se tient en fonction d'une nouvelle loi électorale selon laquelle la moitié des 568 sièges en jeu seront alloués à des listes électorales ou presque électorales. Je dois vous donner plus d'explications. Le vote de la première phase d'élection législative se poursuit, comme je viens de vous annoncer il y a quelques instants, toujours aujourd'hui pour le deuxième dernier jour. Quelques 33 millions électeurs dans 10 140 sous-commissions électorales sont appelés à renouveler leur parlement en élisant 568 députés sur un total de 596. Les 28 restants seront nommés par le chef de l'État. Les résultats définitifs seront dévoilés donc le 14 décembre. Les nouveaux députés prendront leurs fonctions en janvier 2021, la fin du mandat de l'actuel Parlement. Donc, je dois vous présenter le bilan de ce premier jour de ces élections législatives. Après ça, on va savoir qu'est-ce que se passe actuellement sur le terrain. Presque une heure ou quelque chose comme ça avant la fermeture des bureaux de vote. Donc un reportage de Dalia Karam. Le premier tour des élections législatives a débuté ce samedi 24 octobre dans 14 gouvernorats, dans 10 140 sous-comités où 33 millions d'électeurs inscrits sur la base de données ont le droit de voter. Les bureaux de vote sont ouverts aux électeurs de 9h à 20h heure locale avec une heure de repos de 15h à 16h. Les élections législatives de mi-vingt se tiennent conformément aux mesures de prévention prises à la lumière de la propagation de la pandémie de coronavirus, selon lesquelles les sièges des bureaux de vote ont été stérilisés. Les législatives de cette première phase incluent 14 gouvernorats. Le président de l'Autorité nationale des élections, l'ANE, le conseiller Lachine Ibrahim, vice-président de la Cour de cassation, a affirmé que le vote au premier tour des législatives se déroule normalement dans les 14 gouvernorats. Il a souligné que l'ANE suit de près le processus de vote et que la cellule de crise de l'Autorité nationale des élections et son appareil exécutif sont en contact permanent avec les présidents des tribunaux de première instance et les bureaux de vote pour surveiller le processus de vote et recenser toute place. Il a ajouté que le numéro vert 19826 avait été consacré pour recevoir et répondre à toutes les demandes et plaintes liées aux législatives, qu'il s'agisse d'électeurs, de superviseurs, de candidats ou des autorités concernées. Monsieur Ibrahim a enfin appelé les Égyptiens à voter aux législatives pour contribuer à tracer l'avenir de leur patrie. Comme d'habitude, une forte présence féminine a été remarquée dans les bureaux de vote. Masques et gel hydroalcoolique en main, les Égyptiens se sont rendus aux urnes pour encore une fois prendre part à tracer l'avenir de leur pays. Elles étaient là en tant que policières et juges responsables de faciliter le processus de vote ou encore en tant qu'électrices responsables de remplir leurs devoirs civiques. Le Premier ministre Mostafa Madbouly a appelé les Égyptiens à participer aux législatives à la lumière du climat démocratique dont jouit l'Égypte et qui garantit l'élection des candidats qui méritent de représenter ce grand peuple. Donc, pour avoir un peu plus d'explications en ce qui concerne qu'est-ce que se passe sur le terrain dans ce
Premier tour de nos élections législatives. Nous avons actuellement en ligne de la TV internationale notre envoyé spécial Wael Saïd à partir du gouvernorat du Gizeh. Comme vous avez bien sûr suivi pendant ce reportage, 14 gouvernorats où se déroule bien sûr ce premier tour de ces élections législatives. Donc Wael Saïd, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous écoute très bien. Ça va bien. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'informations en ce qui concerne qu'est-ce que se passe sur le terrain? Mettez-nous au courant de cet événement historique de l'Égypte. La première chose à noter, c'est ce que le gouverneur de Gizeh et major général Ahmed Rached a déclaré aujourd'hui. C'est que le premier jour des élections s'est passé comme nous l'avions prévu. Et nous n'avons enregistré aucune violation ni plainte. Il a ajouté que le gouvernorat se tient le deuxième jour en état de disposition afin que le processus électoral se déroule en toute souplesse. Oui. La deuxième chose à remarquer également ou à dire, c'est que le gouvernorat de Gizeh renferme 480 comités électoraux et ce qui représente 48 sièges du Conseil des députés. Oui. Les sièges se partagent entre 12 circonscriptions, dont 25 sièges uninominales et 23 pour les listes. Il faut dire également que, comme hier, les gens se sont précipités à partir de 9h du matin pour voter. Ce qui est remarquable, c'est la représentation des jeunes. Plus une augmentation de la représentation des femmes et les gens âgés, ainsi que les personnes ayant des besoins particuliers. Je veux dire que, selon la presse, la représentation des femmes, cette fois-ci, au Conseil des députés, ça a augmenté, au contraire de dernières élections qui ont été déroulées en 2015. Il y a cette fois-ci 627 femmes qui se présentent aux élections législatives, 347 uninominales, 44 de différents partis et 280 pour les listes. Parmi le gouvernorat qui représente les taux les plus élevés de la représentation des femmes au Conseil des députés, figure Port Saïd à 18%, Alexandrie à 14,8%, Assouan 13,3% et Le Caire 13,1%. Il faut dire également que le processus électoral se déroule très bien, la sécurité de la police passe comme il faut, et les gens, c'est ce qu'on doit dire, et on doit noter que les gens respectent les gestes barrières, également de porter le masque, même si un agent de police, il dit à la personne qui ne porte pas le masque, gentiment, s'il vous plaît, portez le masque. À noter aussi, comme on a remarqué hier, que le Premier ministre, Dr. Moustapha Mabouilli, le ministre des Finances, ainsi que d'autres ministres ont voté respectivement dans leur gouvernorat. Ouais. Et il faut dire également que le ministre de l'Électricité a appelé les citoyens à aller voter. Oui. Justement, vous avez fait une remarque très importante. C'est la présence intensive, massive des jeunes. Comme vous savez, je sais que vous avez observé plusieurs élections auparavant, les femmes, les personnes âgées prennent toujours le devant de la scène électorale. Mais justement, aujourd'hui, d'après votre remarque, il y a une présence intensive de la part des jeunes dans ce processus électoral, n'est-ce pas ? Oui, je veux dire, ça a commencé d'hier et même ça continue aujourd'hui. Ouais. Ce qui montre que les jeunes veulent choisir leur avenir, veulent choisir le représentant qui va réaliser leurs rêves. C'est ce qui est intéressant et important. Oui, vous avez fait des interviews, vous avez rencontré des jeunes. Pourquoi ils sont tellement encouragés, tellement avoir de tels incentives pour participer à ce processus électoral? Oui, j'ai demandé à quelques-uns pourquoi vous êtes venus là, c'est des élections
pour choisir un député, mais il a dit, moi je veux dire ou montrer un exemple à tout le monde que les jeunes Égyptiens choisir leur avenir, choisir ce qui va les représenter et réaliser leurs rêves, réaliser leurs demandes. C'est le message que les jeunes Égyptiens veulent envoyer à tout le monde. Ils veulent dire que l'Égypte, c'est un pays qui veut réaliser tout ce qui fait plaisir au peuple. Donc vous trouvez qu'il y a une sorte de participation active cette fois-ci dans ces élections législatives de la part des jeunes? Oui, oui. Oui, hein. Oui. Il faut quand même savoir que dans presque une heure et demie à peu près, c'est la clôture des bureaux de vote pour la première phase des élections législatives. Oui, oui. Merci beaucoup pour un tel compte-rendu de votre part. Essayez de notre envoyé spécial de l'Intv International qui se trouve actuellement sur le terrain dont nous gouvernera du Gizeh. Justement, chers téléspectateurs, je dois vous rappeler qu'aujourd'hui, le président Abdel Fattah Sisi a bien sûr donné ses ordres pour la mise en œuvre d'une initiative qui soutient les efforts de pour la transformation gouvernementale vers le numérique. De telles procédures, de telles transformations facilitent les procédures, que ce soit ces procédures électorales, les procédures gouvernementales, judiciaires, ainsi de suite. Je dois vous laisser avec un coup d'œil très rapidement sur les activités présidentielles qui sont faites et qui sont déployées durant les derniers jours, de la part de notre, ou par notre président Abdel Fattah Sisi. Le président Abdel Fattah Sisi suit l'exécution du plan de réhabilitation et du développement des installations du ministère de l'Intérieur. Le président Abdel Fattah Sisi donne ses directives en vue de faciliter l'octroi des nouvelles unités industrielles. Le président Abdel Fattah Sisi examine le déroulement des travaux de construction de la nouvelle capitale administrative. Le président Abdel Fattah Sisi assiste à la cérémonie de remise des diplômes des nouveaux gradués des collèges et instituts militaires pour l'année 2020. Le président Abdel Fattah Sisi s'entretient au téléphone avec le président de la Corée du Sud sur le renforcement des relations bilatérales et les moyens de renforcer le partenariat entre les deux pays dans plusieurs domaines. Le président Abdel Fattah Sisi prononce un discours lors d'une conférence de presse organisée à l'issue du sommet tripartite égypto-gréco-chypriote. Le président Abdel Fattah Sisi s'entretient avec le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Le président Abdel Fattah Sisi participe par visioconférence au deuxième sommet de coordination entre l'Union africaine et les groupements économiques continentaux. Le président Abdel Fattah Sisi inspecte les chantiers du projet de réaménagement du réseau routier du Grand Caire. Le président Abdel Fattah Sisi salue sur sa page Facebook les efforts conjoints des États-Unis, du Soudan et d'Israël en vue de normaliser les relations entre le Soudan et Israël, affirme apprécier les efforts visant à rétablir la stabilité et la paix dans la région.
Donc nous essayons toujours de faire une sorte de couverture tout à fait spéciale aux ces élections législatives qui prennent actuellement place en Égypte depuis hier. Mais je dois vous rappeler que à l'extérieur, ces élections législatives se sont déroulées il y a quelques jours. Donc, avant de vous présenter un reportage sur ces élections égyptiennes qui se sont déroulées à l'étranger, à l'extérieur de l'Égypte, je dois présenter notre invité de marque, Dr Taimour Mustafa Kamel. C'est le président de l'Association égyptienne des juristes francophones, un homme très notable. Vous êtes toujours le bienvenu sur la TV internationale. Merci de votre invitation. Merci beaucoup. Donc, tout de suite, un reportage de Dalia Karam. Après ça, on va bien sûr essayer d'analyser, de faire des commentaires sur ce qui concerne cette scène électorale. La ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, Mme Nabila Makram, a donné ses directives pour mettre en place une cellule de crise au siège du ministère pour suivre le processus de vote aux élections législatives 2020 pour les expatriés égyptiens. Ceci intervient dans le cadre de la coopération et la coordination avec l'Autorité nationale des élections pour répondre à toutes les questions sur le scrutin via l'email du ministère ou sur ses numéros de WhatsApp. Madame Makram a précisé dans un communiqué que l'équipe du ministère travaillait 24 heures sur 24 pour recevoir les questions et demandes des électeurs sur les mesures à suivre pour participer au processus de vote. Selon la loi, les Égyptiens résidant à l'étranger ont le droit de voter au scrutin uninominal et de liste. Il est prévu que des comités chargés de supervision du scrutin, de dépouillement et de l'annonce des résultats seraient formés par des membres du corps diplomatique et consulaire, ainsi qu'un ou plusieurs secrétaires du ministère des Affaires étrangères. Quatre pays seront exemptés des élections, la Libye, la Syrie, le Yémen et la Somalie, en raison de l'instabilité de leur situation intérieure. Le président de l'Autorité nationale des élections, le conseiller Lachine Ibrahim, a annoncé le début d'inscription des données des Égyptiens à l'étranger sur le site officiel de l'autorité à partir du dimanche 27 septembre et jusqu'au 10 octobre courant afin qu'ils puissent voter par mail aux élections. Monsieur Ibrahim a indiqué que le vote législatif à l'intérieur et à l'extérieur de l'Égypte se déroulait en deux étapes, dont la première a lieu dans 14 gouvernorats. La ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, Nabila Makram, a souligné mercredi 21 octobre l'importance pour les Égyptiens à l'étranger de préserver leurs droits légaux et constitutionnels et participer aux législatives 2020. La ministre a déclaré que la cellule de crise du ministère suivait de près l'envoi par les Égyptiens à l'étranger des bulletins de vote par correspondance au siège des ambassades et des missions diplomatiques, et ce après les 19 et 20 octobre, jour fixé par l'Autorité nationale des élections pour imprimer les bulletins dans les 14 gouvernorats. Les Égyptiens à l'étranger jouent toujours un rôle important dans toutes les échéances constitutionnelles depuis 2014 et n'ont jamais hésité à remplir leurs devoirs envers leur patrie, a dit Mme Makram dans un communiqué ajoutant que l'équipe du ministère travaille 24 heures sur 24 pour recevoir toutes les questions des électeurs sur le vote. Donc, docteur Taimour, vous venez d'arriver ici en Égypte à partir de France il y a presque 4 jours. Vous avez participé à ces élections législatives à l'intérieur ou à l'extérieur? Non, à l'intérieur plutôt. À l'intérieur? Oui, parce que je suis arrivé à l'occasion d'une grande conférence qui a été organisée dans le cadre de célébration au lancement du prix Boutros Ghali pour le dialogue, la démocratie et la paix. Et donc, ce prix qui a été créé à la suite de la conférence 2019 sous le patronage du président Macron. Et en même temps, il y avait une large participation. Cette participation en avril, elle a fait l'objet d'un livre, ce livre intitulé « Un intellectuel égyptien au carrefour du monde ». Hommage à Boutros Ghali, 22 interventions internationales, donc 5 égyptiens. Il y a Dr Sourour, Amr Moussa, il y a Mouchira Khattab, il y a Mounir Fakhri Abdelnour, il y a moi. Voilà. Et après le reste, ce sont deux, le président de l'Académie, tout ce qui était autour de Boutros Ghali, soit au niveau des Nations Unies ou de la francophonie. Et le mot clé, c'était la démocratie.
La démocratie, c'était l'agenda de Boutros Ghali qu'il a créé à la suite de... Il a fait trois agendas qui étaient entre 1992 et 1996. Ouais. Donc c'était l'agenda de démocratie. Donc la démocratie, il n'y a pas de démocratie sans élections libres, transparentes et fiables. Ouais. Donc c'est cette partie de la vie politique. Donc c'est la question des élections. Donc selon les principes des Nations Unies et toute l'organisation internationale et régionale, ils doivent avoir une élection transparente, fiable. En même temps, il faut garantir à tous les c'est-à-dire pas simplement les candidats, mais aussi à tous les participants d'avoir une chance égale pour participer. Et autre chose aussi, il faut quand même qu'il y ait transparente sur le fond qui vont être, c'est-à-dire alloués à cette campagne électorale. Et aussi, il faut penser que donner la chance aussi au niveau de l'information, soit à la télévision, à la radio, aux journaux, concernant cette opération électorale. Et ça, quand même, sur un fonds public, d'une part. Et autre chose aussi qui est très important, il faut prendre les mesures nécessaires que l'obligation vers les candidats d'une part et aussi pour les participants qu'ils acceptent les résultats des élections. Et pour avoir aussi des élections transparentes, il faut voir l'observation, pas simplement du juge, mais international. Et ça, l'Égypte, elle a l'habitude depuis plusieurs années d'inviter l'organisation internationale ou la société civile pour participer justement aux élections. Ouais. Et je pense... Ce sont donc les grandes remarques, même que vous avez vues ou observées aujourd'hui. Oui, je ne peux pas. Non, mais simplement, j'ai eu quand même des informations concernant, c'est-à-dire la participation. Bien sûr, le coronavirus, quand même, a empêché beaucoup d'organisations à venir. Mais je pense qu'il y a deux, la Ligue arabe, elle participe. Il y a beaucoup d'organisations de la société civile, soit de droits de l'homme, aussi, je crois, il y a aussi d'autres organisations qui ont participé à l'observation de ces élections. Je pense que ce n'est pas là la question. La question de savoir comment, c'est-à-dire là, voilà, la possibilité à l'intérieur de chaque, dans chaque lieu, le lieu électoral, comment, bien sûr, bon, il y a le respect, il y avait le président de la, qui était là, il y avait aussi, tout est, je crois là, c'était très bien organisé. Éloignement concernant le coronavirus, ça a été aussi bien respecté. Donc il y avait des mesures. Ce qu'il a dit le président de l'autorité électorale lors de sa conférence de presse il y a quelques jours, je l'ai vu appliqué à l'intérieur de chaque bureau de vote. Oui. Ouais. Voilà. Également, vous venez d'arriver de France. Et là-bas, il y a la fermeture. Ici, c'est l'ouverture. Des élections législatives qui se déroulent dans des conditions de coronavirus. Mais je peux vous dire la comparaison. Quand l'observation locale en France des maires, quand le président Macron a décidé qu'il va avoir lieu, qu'il y avait l'état d'alerte, d'accord, ils étaient obligés pour le deuxième tour de reporter pour quelques mois. Oui. Nous voyons ici quand même qu'il y a quand même, je ne veux pas le comparer, parce qu'en France maintenant dépasse 40 000 cas par jour. Donc il y avait maintenant au moins 18 villes qui sont touchées par, il y a aussi un couvre-feu qui commence de 21h à 6h du matin. Nous sommes ici avec très peu de cas, mais en même temps, je veux dire, les choses sont organisées de manière à ne pas, à permettre
à chaque candidat voilà, d'avoir la possibilité de se présenter, mais aussi à chaque participant qu'il puisse avoir la possibilité d'aller aux urnes. Oui. Le président de l'Autorité nationale des élections, Lachine Ibrahim, a affirmé que le vote du premier tour des législatives se déroule normalement dans les 14 gouvernorats. Oui. Et il a souligné que l'Autorité nationale des élections suivait de près le processus de vote, oui, et que la cellule des crises de l'ANE ou l'Autorité nationale des élections et son appareil exécutif sont en contact permanent avec les présidents des tribunaux de première instance et le bureau de vote pour suivre le processus de vote, recenser toute plainte. En même temps, il a dit qu'il n'y a pas de plainte jusqu'à maintenant qui perturbe ce processus électoral. Oui, mais de toute façon, je veux dire, la loi électorale, d'accord, a prévu aussi la possibilité d'avoir de contentieux. C'est-à-dire, une fois qu'il y aura une violation, dans ce cas-là, soit le candidat, soit même le participant peuvent s'adresser au juge administratif pour qu'il puisse, voilà, lui-même, peuvent confirmer ou annuler le vote. Oui. Donc, ces élections qui sont supervisées par les juges garantissent transparence totale. Oui, bien sûr, parce que je ne pense pas qu'on ne peut pas faire des élections et en même temps, s'il y a des violations, c'est qui alors maintenant qui peut trancher? C'est le juge. Le juge. Donc ça, c'est, je veux dire, le contentieux électoral au Conseil d'État, ça date depuis presque sa création, en 46. Donc je pense, là, le juge, ils ont l'expérience d'une part, en même temps, il y a une transparence totale, et en même temps, il y a aussi, je veux dire maintenant, une garantie plus qu'il y a l'autorité électorale qui peut recevoir voilà, les enquêtes ou les plaintes, et après, il peut l'étudier, et par la suite, il y a la deuxième phase, c'est-à-dire s'adresser à la justice administrative pour avoir la possibilité d'annuler ou de confirmer. Oui. J'aimerais bien passer faire une sorte de tournée dans plusieurs scènes et passer à plusieurs déclarations faites pendant ce processus électoral. Justement, le Premier ministre Moussa Mabouli a appelé, par exemple, hier, samedi, les Égyptiens à participer aux élections législatives à la lumière du climat démocratique dont jouit l'Égypte et qui garantit l'élection des candidats qui méritent de représenter ce grand peuple. Le Premier ministre a voté samedi dans son bureau de vote. Il a tenu à s'assurer de la mise en œuvre des mesures de précaution contre le coronavirus dans le bureau de vote, soulignant qu'après la fin des élections législatives, les deux chambres du Parlement œuvreraient de concert pour renforcer la base démocratique et enrichir la vie parlementaire en Égypte. Donc justement, d'après votre expérience, bien sûr politique, en tant qu'un juriste. Juriste, un homme de politique. Donc, l'importance de ces élections, l'importance de ce Parlement bicaméral, cette fois-ci, avec la présence du Sénat. Je pense qu'il y a, dans la vie égyptienne, nous avons, je crois, subi une période très, très difficile, et surtout après 2011. Donc, il y a, déjà, le président Sisi, voilà, elle a fait tout le fort nécessaire afin de la mise en place de vraies institutions, des institutions démocratiques. Donc, selon conformément à la Constitution, il y avait d'une part le Parlement, d'accord, qui avait son expérience pendant les 5 années passées. Et maintenant, nous passons en deuxième phase. Nous passons en deuxième phase, celle justement de deuxième, élection législative, mais avec une autre possibilité maintenant, c'est-à-dire il y a deuxième chambre. Oui. C'est le Sénat. Oui. Donc, c'est deuxième chambre, le Sénat. Donc, ça, je crois que c'est une garantie aussi pour la démocratie. C'est une garantie aussi de donner la possibilité, justement, d'avoir et enrichir la vie parlementaire par le Sénat. Parce qu'il y a quand même des nominations de 100 personnes. Donc, je crois dans la composition qui a été faite. Parce que quoi, encore une fois? J'ai dit qu'il y a un enrichissement
de la vie parlementaire en Égypte avec l'intervention du Sénat actuellement, car il y a parmi le Sénat quand même à large participation d'une centaine de personnes qui sont nommées, et la majorité qui sont nommées, ce sont des gens qui ont l'expérience dans plusieurs domaines variés. Ouais. Cela peut aider, c'est-à-dire d'une part dans l'élaboration de projets de loi, d'avoir, quelles sont les priorités par rapport à chaque secteur, mais en même temps aussi, vous avez à la tête du Sénat un juriste, ancien président de la Haute Cour constitutionnelle, qui a quand même beaucoup d'expérience parce qu'elle vient du Conseil d'État, donc elle a la possibilité, la connaissance suffisante pour avoir une bonne rédaction des projets de loi. Oui. Encore une fois, comment vous trouvez l'importance de ce Parlement? Quelles sont ses missions Je pense qu'il y a une mission. Là, je crois que les premières 5 années, ils ont fait le bilan. Et il y a des choses qui sont positives, oui. Il y a des choses qui sont négatives. Oui. Mais je pense que le rôle du Parlement, je crois que c'est très important quand même qu'il joue ce rôle de contrôle sur le gouvernement. Et ça, c'est quand même, ça a été un peu, pour la première 5 ans, qui était quand même un peu faible. Je pense, c'est là le travail important à faire à côté de propositions de loi que le Parlement peut exercer, sans fonction de contrôle, d'une part. Et d'autre part aussi, c'est très important, je pense que les priorités qui étaient décidées, les priorités, c'est-à-dire de l'Égypte par rapport au projet de loi, et parce que c'est là la difficulté. Nous ne sommes pas devant, élections, c'est des élections ou de regroupement électoral, mais pas politique. Donc, il y a les difficultés actuellement d'avoir sur la scène politique des vrais projets de la part des partis politiques. Je pense que c'est là de l'assemblant qui a été faite et qu'il faut par rapport au travail exécutif et par rapport aux déclarations des chefs de l'État, comment ils peuvent eux-mêmes s'en sortir les priorités qui peuvent faire l'objet de projets de loi et en même temps, il faut voir aussi la vérité de l'Égypte par rapport à la situation économique et sociale et en même temps aussi le rôle de l'Égypte sur le plan international et régional à jouer. Ça, c'est quelque chose que le Parlement et le Sénat peuvent aussi l'aider à faire une vision, une stratégie pour formuler des projets de loi qui peuvent avancer l'Égypte, qui peuvent avoir sa place, qu'il a eu toujours, mais en même temps avec maintenant des nouvelles priorités. Nous sommes dans une société qui a des nouvelles technologies, nous sommes dans une société qui travaille sur, sur le plan international d'une manière rapide. Donc nous avons besoin de députés qui puissent s'adapter à la vitesse de la vie internationale, à la vitesse de la vie, qui peut former ou constituer même des lois qui marchent avec de telles vitesses. Voilà, c'est ça question. La question, il faut quand même, quelle que soit la vitesse qui est faite, nous avons un bilan sur l'état de l'Égypte. Donc, il faut que ces lois soient conformes aux besoins de la population. C'est comme ça, je crois, que nous pouvons réussir, ou bien la mission du Parlement et du Sénat peuvent réussir. Mais j'ai quand même quelques observations par rapport aux élections. Si nous prenons le cas des Égyptiens à l'étranger, il n'y a que 8 places. La participation qui était faite où? Les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, où est-ce qu'ils sont la place par rapport aux élites qui sont en Europe, aux États-Unis? Donc là, c'est quand même une difficulté. Et après, avec combien de pourcentage? Je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le Golfe, mais il y a aussi d'autres aux États-Unis, au Canada et en Europe. Je pense que là, il faut peut-être qu'il y aura une révision par rapport au nombre d'une part, car si on va choisir des représentants députés à l'étranger, c'est eux qui peuvent faire le lien. Bon, il y a le travail diplomatique, je le connais, mais je pense quand même, ces gens-là, ils ont beaucoup de possibilités d'attacher d'une part
pas simplement l'appareil étatique, mais aussi la société civile. Oui. Toujours en ce qui concerne ce processus électoral qui est supervisé par plusieurs organisations, plusieurs responsables politiques, sécuritaires, ainsi de suite. Et il y a quelques déclarations faites par exemple par le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tafir. Selon lui, l'État égyptien est capable de vaincre quiconque tente de porter atteinte à la sécurité, à la stabilité du pays. Le ministre a jugé impératif de protéger les citoyens, leurs biens lors de ces élections législatives, soulignant que tous les policiers sont en vigilance totale. Le ministre a apprécié les efforts consentis par les policiers, affirmant que les succès successifs les différents organes du ministère constituent un message rassurant aux citoyens que l'État égyptien est capable de vaincre quiconque tente de porter atteinte à la stabilité, à la sécurité du pays. Encore une fois... Je peux quand même faire un petit commentaire pour saluer justement le travail fait par le ministère de l'Intérieur, car vraiment, sur le cas d'État civil et les listes électorales, c'est quelque chose de très important. Et je crois qu'il y a l'expérience nécessaire au niveau du ministère de l'Intérieur. Et cela, quand même, ça peut permettre aussi d'avoir des vraies listes électorales. Voilà. Oui. Autre question, c'est cette fois-ci la délégation de la Ligue arabe qui surveille le déroulement des élections législatives. Avec plus de précision, la Ligue arabe a annoncé que sa mission de surveillance des élections législatives a exigé des visites sur le terrain à travers la République pour suivre le processus électoral. La délégation de la Ligue des États arabes chargée de la surveillance des législatives comprend des observateurs des différents pays arabes pour couvrir la majorité de bureaux de vote à travers le pays au cours de ce scrutin. Et en vertu même de la loi et des accords signés avec l'autorité nationale des élections de l'Égypte, la Ligue arabe doit observer la mise en application de toutes les mesures entreprises pour garantir le bon déroulement de ce processus électoral. Donc, je pense que c'est un point très positif qu'il y a une organisation internationale régionale peut participer à l'observation des élections. Déjà, quand j'étais à la francophonie, nous avons fait avec la Ligue des États arabes l'observation des élections dans plusieurs pays, même y compris à l'Égypte. La Ligue des États arabes, c'est une organisation régionale très dynamique. Ils ont de bons observateurs sur le niveau des pays arabes qui travaillent même avec les Nations Unies. Et je pense que c'est cela qui atteste et conforme voilà, la volonté de l'Égypte d'avoir des élections transparentes et fiables par la participation des organisations internationales régionales. Oui, même avec la participation des médias étrangers, parce qu'on trouve que le président de l'organisme général de l'information OGI, M. Dia Rachouan, a instruit le directeur général du centre de presse pour les correspondants étrangers d'établir une cellule de crise pendant toute la période des législatives. Cette cellule de crise sera chargée de faciliter le travail des correspondants étrangers dans la couverture des premières, secondes phases des élections parlementaires, de sorte à les aider à accomplir dûment leur mission. À rappeler que le nombre de correspondants étrangers accrédités en Égypte s'élève à 570 journalistes représentant 166 institutions de presse enregistrées dans la base des données de l'autorité des élections nationale de l'Égypte, bien sûr. Je pense que c'est très important d'avoir la participation de la presse étrangère au déroulement de ces élections. Car ça reflète vraiment que l'opération électorale est bien passée conformément aux critères internationaux et aussi conformément à la loi électorale égyptienne. Et cela peut nous permettre d'éviter toutes les critiques à l'étranger par des gens qui essayent d'une manière ou d'une autre de perturber la vie politique égyptienne. Et cela, ça atteste quand même par la presse étrangère comment c'est déroulé. Et eux, après, ils vont faire le rapport. Et de toute façon, chaque organisation qui vient ici, qui vient du droit de l'homme, ou de la démocratie, ou de la presse, elle fait toujours un rapport final pour dire comment ça a été déroulé. Donc je pense que nous avons une garantie suffisante pour dire au monde entier et aussi aux opposants qui essayent d'une manière ou d'une autre de montrer une autre image de l'Égypte, de dire comment ça a été déroulé, dans quelles conditions et comment s'est passé
conformément à la loi électorale et aux critères internationaux. Oui, mais c'est-à-dire tout ça sous les yeux du monde entier, voilà. Et à partir de plusieurs instances, voilà. Que ce soit étrangères, instances locales, internationales, ainsi de suite, arabes, régionales, ainsi de suite. Justement, un tout petit reportage sur l'histoire de... si je peux dire, la Constitution de 2014 et comment même a créé ce qu'on appelle aujourd'hui la Chambre de représentants. Oui, c'est le Sénat. Oui. L'Assemblée du peuple d'Égypte était sous la Constitution de 1971, la Chambre basse du Parlement bicaméral égyptien. Elle a été instituée en 1971, en 1980, avec la création d'une Chambre haute. Le Conseil consultatif devient la chambre basse du Parlement égyptien. L'Assemblée du peuple d'Égypte jouait un rôle plus important dans la préparation des lois et les tâches législatives que le Conseil consultatif. Après la révolution égyptienne de 2011, l'Assemblée a désigné les membres de l'Assemblée constituante égyptienne. Le 14 juin 2012, la Haute Cour constitutionnelle dissout le Parlement et ordonne de nouvelles élections, arguant de l'invalidation de l'élection d'un tiers de ses membres. Le 9 juillet, le président déchu, Mohamed Morsi, annule la décision de la Haute Cour et demande à l'Assemblée de se réunir tout en confirmant que de nouvelles élections se tiendront sous 60 jours. Depuis la promulgation de la Constitution 2012, l'Assemblée du peuple a été remplacée par la Chambre des représentants ou le Conseil des députés, la Chambre basse du Parlement de l'Égypte. La Chambre des représentants instituée par la Constitution de 2012 remplace donc l'Assemblée du peuple d'Égypte. La Chambre des représentants a été de 2012 à 2014 et depuis 2019, la Chambre basse du Parlement bicaméral égyptien. De 2014 à 2019, sous la Constitution de 2014 et l'abolition du Conseil consultatif, elle est devenue l'unique Chambre parlementaire de l'Égypte. Le 30 août 2015, ces premières élections sont fixées pour se dérouler en deux étapes du 17 octobre au 2 décembre 2015. Le 13 février 2016, le président Abdel Fattah al-Sisi transmet solennellement le pouvoir législatif au Conseil des députés qui est devenu l'unique chambre parlementaire de l'Égypte. Et en février 2019, après des amendements de la Constitution de 2014 et la création du Sénat, la Chambre des représentants redevient la chambre basse du Parlement. Donc, encore une fois, comme vous venez de regarder, la Constitution 2014 a donné naissance au Sénat, a donné naissance à la Chambre des représentants au lieu de l'Assemblée du peuple. Donc, oui, comment vous trouvez l'importance de cette Constitution et comment même cette Constitution va évoluer un peu plus la vie politique en Égypte? Je pense que voilà, nous avons déjà l'expérience de 5 ans de Parlement. Après, il y a modification, réforme à la Constitution de 2014 qui a permis voilà, de la possibilité d'avoir des chambres représentantes, c'est-à-dire deux Sénats. C'était quelque chose de très important et très nécessaire car le travail du Sénat, c'est un travail essentiel dans un sens qui peut permettre voilà, à beaucoup de gens qui sont à l'intérieur du Sénat. Il y a beaucoup qui sont spécialistes dans plusieurs matières. Et en même temps, ça garantit aussi que quand il y aura une préparation des projets de loi, quand on arrive au Parlement, il n'y aura justement pas beaucoup de travail de rédaction à faire. Et ça, c'était la grande difficulté. Ouais. C'était la grande difficulté par rapport à la première période de Parlement. Et là, je pense aussi qu'il y a la possibilité par le Sénat, parce que nous avons parlé de beaucoup le projet de loi qui attend le Parlement, mais aussi il y aura peut-être aussi d'autres projets que le Sénat peut proposer, soit qui vient de l'exécutif, soit qui vient de chef d'État, ou bien peut-être les membres du Sénat eux-mêmes, et cela, ça peut enrichir beaucoup la vie parlementaire égyptien. Mais j'ai quand même une observation très importante par rapport au travail du Sénat, ici du Parlement. Je pense qu'il faut qu'on pense, et là, la faiblesse actuelle, que les partis politiques ne font pas le fond nécessaire afin qu'ils puissent vraiment, parce que là, nous allons passer à une phase très importante et nécessaire. Comment on peut orienter la vie politique égyptienne à partir des partis qui sont trop forts? Il n'y aura pas de parti très fort, il n'y aura pas de démocratie sans parti.
Il n'y aura pas de comment dirais-je. Donc quelles sont les étapes, les étapes à faire, voilà que maintenant, il y aura vraiment un travail arsenal de la part des partis afin de vraiment de constituer des vrais cadres qui peuvent exercer la vie politique d'une part. Quand on passe dans 5 ans un autre, je crois, processus électoral, il y aura quand même des candidats qui ont des programmes. Mmh. Et c'est là, quand même, quand il y aura... Maintenant, j'appelle tous les partis à travailler pour faire des cadres qui puissent faire, voilà, maintenant, former les jeunes pour qu'ils puissent avoir chacun choisi quel parti, quelles sont les priorités. Comme ça, quand on entre aux prochaines élections, il y aura vraiment de vrais partis qui présentent des programmes. Et la partie de la majorité qui va gagner les élections, il y aura un programme qui doit être suivi par le chef d'État et aussi par les partis. Ce qui est très remarquable, en fait, c'est la participation intensive, massive de la part des jeunes. Oui. Et cela, c'était bien apparu, bien vu au monde, qu'il soit à l'Égypte ou à l'étranger, à partir de ces élections du Sénat. Pourquoi, d'après vous? Je pense que il y avait quand même, voilà, il y a 5 ans derrière de la vie parlementaire. En même temps, les jeunes, ils ont soif d'exercer et participer, pas simplement, je veux dire, pour être candidat aux élections, mais aussi participer vraiment. Et, c'est-à-dire, il y avait maintenant une obligation morale. Ouais. Maintenant, les jeunes, ils pensent qu'ils sont concernés par la vie politique, et c'est pour ça qu'ils veulent participer. Mais aussi, je vois quand même, dans les partis, beaucoup de jeunes qui sont candidats. Ouais. C'est très, très, très important. Ouais. Tout ce qu'il manque, et la femme aussi maintenant, on ne faut pas oublier, nous avons quand même la femme qui est présentée, des larges, voilà, quand même, représente par rapport à avant, 25%, mais il y a quelque chose à observer et à faire attention quand même, voilà, qu'il y aura des vrais débats à l'intérieur du Sénat et aussi à l'intérieur du Parlement pour qu'on puisse, voilà, simplement faire quelles sont les priorités pour l'Égypte que les membres du Sénat et les membres du Parlement puissent les choisir afin quand même qu'on voit une feuille de route qui peut permettre à avancer. C'est pas ça mon avis politique, j'ai presque économique. Une seconde. Quelque chose comme ça. Sans la stabilité politique, le progrès économique n'aurait pas été réalisé selon les déclarations faites par le ministre égyptien des Finances. Il est très, bien sûr. De toute façon, s'il n'y aura pas, comment on dit, pas de. Pour donner un peu plus d'informations en ce qui concerne cette déclaration, selon lui, je cite, nous n'aurions pas réussi à mettre en œuvre les réformes économiques qui ont rendu l'économie nationale plus solide face aux défis à l'intérieur et à l'extérieur du pays sans la stabilité politique dont le président Fattah al-Sissi a jeté les bases. Là, je crois que c'est une déclaration juste. Et je pense que nous ne pouvons pas avoir la stabilité politique. Donne aussi la sécurité aux individus. Et nous avons vécu une période auparavant qui était très difficile. Chaque personne, il n'était pas sûr même de rentrer chez lui. Donc nous sommes dans une société, tout le monde maintenant, ils ont la sécurité d'une part, mais aussi la sécurité ne s'arrête pas simplement à ne pas être touché ou menacé. La sécurité, c'est la sécurité économique. La sécurité financière, la sécurité sociale. Je pense qu'il n'y aura pas dans la société égyptienne aucun avancement. Il faut avoir, nous avons eu des élections électorales, mais nous pouvons continuer le chemin de la démocratie. C'est un chemin difficile, il est long, mais nous pouvons arriver. C'est un chemin difficile mais nous devons y arriver. Non, il faut... Avec cette dernière expression, je dois vous remercier infiniment parce que c'est une conclusion tout à fait précise. Merci beaucoup, docteur Taimou Mustapha Kemel, le grand juriste, le grand homme de renommée internationale. Merci beaucoup pour de tels éclaircissements, de telles explications de votre part. Merci. Vive l'Égypte. Vive l'Égypte, bien sûr. Donc, c'était tout pour cette édition. Je n'ai plus de temps, comme d'habitude, mais je dois vous dire merci beaucoup pour votre fidélité. Bon suivi de nos programmes Sénat TV International.